Vendredi soir, DreamWorks fêtait ses 20 ans à Cannes sur la plage du Baoli. Une occasion pour les acteurs et réalisateurs de revenir sur leurs expériences avec l'une des plus grandes sociétés de production au monde. Well, I've only been at DreamWorks since How to Train Your Dragon, the first film, and it was a very memorable experience for me. We came in quite late, so we only had about just a little over a year to rewrite it from page one and put it up on screen and get it done. So it was a real team effort and lots of fun. It was a very amazing learning experience for me and something I'm very proud of. Jimon Hounsou, lui, doit sa carrière à DreamWorks, ce qui lui a permis de faire ses débuts dans le film Gladiator. Ouais, c'est ma carrière, c'est mes rêves, c'est le début de mes fantaisies, enfin fantasmes, je veux dire. Yeah. Il y a 20 ans, Steven Spielberg, David Geffen et Jeffrey Katzenberg cofondaient DreamWorks. Je me sens 20 ans plus jeune. La dernière création de DreamWorks, c'est Dragon 2, un long métrage animé qui réunit les voix de grands acteurs, dont Cate Blanchett. Et lors de la projection à Cannes, Dragon 2 a enflammé la presse. C'est un film génial, j'en suis très fier. Dean et les réalisateurs ont fait quelque chose de spécial. Et être dans cette salle ce soir et voir cette ovation pour le film, c'est notre récompense pour 5 ans de travail intensif. Donc c'est une soirée très spéciale. Dragon 2 a donc séduit la critique ici à Cannes. On parle déjà d'un chef-d'œuvre qui fait penser au génie de l'animation japonaise. Un film à découvrir le 2 juillet prochain dans les salles françaises.